bien, messieurs. Ça fait plus d'une heure que je tourne dans cette cité sans rencontrer un qui vit. C'est très mal indiqué ici. Très mal. Mais vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche la maison de la culture. La maison de la culture? Elle est fermée depuis hier. Ah. C'est fâcheux. Très fâcheux. Tout ce chemin pour rien, ils auraient au moins pu m'avertir. Oui. Je voulais y faire la maison de la culture. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Et je devais donner un conseil. Un concert! Et un concert de quoi? Eh oh, Francky! Au lieu de discuter, regarde un peu ce qu'elle a sous cette bâche, la nana. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le voyez bien? C'est une harpe. Je vais donner un concert à la Maison de la Culture. Vous me dites qu'elle est fermée. Eh ben, c'est pas grave. Tu vas nous le donner ici, ton concert. Hein? Bonne idée, Francky. Et nous voilà sur le premier camoto. Ok, on y va. Silencieuse, monsieur. On ne déplace pas la police pour rien. Vous allez nous suivre au poste, je vous expliquerai là-bas. Allons, allez, 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 non, allez, non, 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 allez. Tu vois, t'as besoin de Maison de la Culture pour faire un concert. Thank you.
Et non, ce n'est pas possible, pas possible. Qui m'a fiché un orchestre pareil? Hein? Où est-ce que vous avez appris à jouer? Je vous le fais exprès, ma parole? Ce n'est ni en mesure, ni dans le ton. Accordez vos instruments, je garde. Que se passe-t-il? Sergueï Alexandrovitch, pourquoi manipulez-vous les décors? Le décor? Et quel décor? On n'a pas touché au décor, Laszlo. Il m'a semblé pourtant de mon bureau entendre des bruits de poulies, de machinerie. C'est l'orchestre. L'orchestre. Laszlo, vous m'avez donné un orchestre qui n'est même pas digne d'un orphéon municipal. J'adore les orphéons. Laszlo, demandez au chef de nous jouer quelque chose. Mais oui, mon petit canard, mais oui. Sergueï Alexandrovitch va se faire le plaisir de nous jouer un petit air. Il n'a jamais rien su refuser une jolie femme. N'est-ce pas, Sergueïev? Nous ne sommes pas au café concert, Laszlo. Ah ben je sais, nous sommes dans mon théâtre. Et c'est la moindre des choses qu'un directeur de théâtre assiste à la répétition de son prochain spectacle. Vous avez raison, Laszlo. Vous avez toujours raison. Nous sommes prêts, Sergueïev Alexandrovitch. Allez-y. Oui, c'est une interprétation assez originale. Sergueïev, j'ai cru déceler quelques légers désaccords. Vous êtes sûr que tous vos instruments sont bien accordés? Évidemment. Laszlo, j'ai déjà vérifié au moins 25 fois. Alors chez vous, Sergueïev Alexandrovitch? Moi? Comment ça, moi? Passez-moi votre baguette. Ah ben c'est votre baguette. Ben oui, elle n'est pas accordée. Comment pouvez-vous diriger un orchestre avec une baguette désaccordée? Pas accordée ma baguette? Vous me chantez-vous là, Laszlo, hein? Ben ça se voit à l'œil nu. Elle n'est pas juste. Elle a au moins 2 centimètres en trop. Vous permettez? Ah! Ma baguette. Allez-y! Mais allez-y enfin! Vous voyez, mes petits canards, un bon directeur de théâtre doit s'occuper de tout. Heureusement que j'étais là. Ben moi, je préfère la musique quand la baguette n'était pas accordée. Oh. Vous proposer mes services à domicile. Pianiste à domicile, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui c'est, Monique? T'occupes, le vieux standard, il veut jouer du piano chez nous? Pas de piano, Monique? Je sais bien juger, même si on en avait un. Nous, on aime que le rock. Vous n'avez pas l'allure d'un type qui joue du rock, vous? Pas précisément, mademoiselle, je suis concertiste. Et j'interprète plutôt de la musique classique.
C'est bien ce que je pensais. La musique classique, on a horreur de ça, nous. Pas vrai, DG? C'est vrai, monsieur, vous êtes pianiste? Oui, madame, pour vous servir. J'adore le piano. Autrefois, j'allais souvent au concert. Mais c'est devenu trop cher pour moi. Avec moi, vous n'avez pas à aller au concert, madame. C'est le concert qui vient à vous. Mais c'est merveilleux. Mais le seul ennui, c'est que j'ai pas de piano. Ça... Enfin, pas un vrai. Juste un petit. C'était un cadeau de mes parents pour Noël. Je l'ai toujours conservé. Eh bien, voyons cela, madame, si vous le permettez. Souvent, ce n'est pas le piano qui fait le pianiste, mais le contraire. Entrez, monsieur. Merci. Ah, c'est un piano à queue. Vous n'aimez pas? Si, pour mes concerts, je préfère. Mettez-vous à l'aise, monsieur. Je vais me changer. Voilà, madame, je suis prêt. Commencez, commencez, monsieur, j'arrive. On est toujours en retard à un concert. Comment? Je ne supporte pas que l'on arrive en retard pour mes concerts, surtout à domicile. Enfin quoi, madame? C'est de la dernière impolitesse. Une réparation un peu particulière. Ah oui, laquelle? Eh bien voilà, c'est un peu délicat à dire, mais vous êtes en logis, vous comprendrez. Oui, vous m'attriez, madame, parlez. Voilà, mon mari est préoccupé par le temps. Il collectionne les horloges, les montres, les coucous. Ah, il n'y a rien de mal à cela, madame, vous-même. Je... bien sûr, mais vous, c'est pas pareil, c'est votre métier. Enfin, là n'est pas le problème. Il y a quelques mois, j'ai surpris mon mari en train de téléphoner. Dès que je suis entrée dans la pièce, mon mari a raccroché. Gêné, comme s'il était en faute. Sur le coup, j'ai rien dit, mais j'étais inquiète, jalouse. Du travail, madame. Oui, bien sûr, je comprends, mais encore un instant, j'en arrive au fait. Bah vite alors, parce que moi, quoi qu'horloger, je n'ai pas le temps. Quelques jours plus tard, je découvre à nouveau mon mari au téléphone. Cette fois, je reste discrète, je passe dans une autre pièce, je décroche un autre téléphone. Savez-vous ce que j'ai découvert, monsieur? Savez-vous à qui mon mari téléphonait? À nous?
À l'horloge parlante, monsieur. Mon mari téléphonait à l'horloge parlante. Vous vous rendez compte? Mais il y a des tas de gens qui téléphonent à l'horloge parlante. Ce service est là pour donner l'heure exacte à ceux qu'ils désirent et... C'est vrai. Mais on ne téléphone pas à l'horloge parlante pour dialoguer avec elle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Cette femme est folle. Dialoguer? Parfaitement, monsieur. Mon mari dialoguait avec l'horloge parlante depuis des mois. Bon, et qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, c'est un dialogue simple. Quand l'horloge parlante fait tic, mon mari fait tac et vice-versa, tic-tac, tic-tac. Ça dure des heures. Nous avons des notes de téléphone invraisemblables. Surtout quand nous partons au Japon. Vous me racontez tout ça, madame, c'est très bien, mais ce n'est pas moi qui le faut voir, c'est un médecin. Mais c'est ce que nous avons fait, monsieur. Et alors? Il nous a conseillé de voir un horloger. Au quatrième top, il sera exactement 11h, 0 minute, 0 seconde. Bip, bip, bip. Oh, mais votre mari retarde, madame, il retarde même beaucoup. Presque un quart d'heure. Vous voyez? Oh, je vous en prie, vous seul pouvez le sauver. Soignez-le, monsieur, réparez-le, faites quelque chose. Il a perdu 15 minutes en quelques jours, cela va-t-il s'arrêter? Surtout pas la contrarie, hein. Surtout pas les deux, ils sont dingues tous les deux. Je suis un pâle, monsieur. Pâle. Surtout moi, vas-y voir ce que je vais pouvoir faire. Asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien voilà, votre mari est réparé, ce n'était pas si grave. Oh, merci, monsieur, merci. Combien vous dois-je, monsieur? Eh bien, cette intervention est un peu particulière, il n'y a pas de tarif pour cela. Au revoir, madame. Au quatrième top, il sera exactement 16h, 0 minute, 0 seconde. Bip, bip. Il n'est pas du tout réparé maintenant, c'est pire qu'avant. Mon mari avance à présent, il avance de 5 heures. J'avais l'intention de vous amener mon beau-frère qui lui ne fait pas tic-tac mais coucou. Eh bien j'irai voir un autre horloger. Adieu monsieur. C'est toujours la même chose. Quand on fait une réparation gratuite, les gens ne sont jamais contents. Thierry a fait de sacrés progrès cette année. Il paraît qu'il a amélioré son record de 3 secondes. Oui, 3 secondes sur 5000 mètres, c'est bien. Mais sur 100, ce serait extraordinaire. Arrête de rêver. Prépare-toi, ça va être à nous. Excusez-moi, jeune homme. Mais par hasard, j'ai entendu votre conversation. Oh, il n'y a pas de mal à ça, monsieur. J'ai cru comprendre que vous couriez le 100 mètres. En effet. Et quel est votre record personnel sur cette distance? 10 secondes, 2 dixièmes. Pas mal. Pas mal du tout, même. Et vous souhaiteriez améliorer ce record de 3 secondes? Ah oui, ça me ferait bien plaisir. 3 secondes de moins sur 100 mètres, ça ferait 7 secondes, 2 dixièmes. Meilleur temps de tous les temps, record du monde absolu. Un coureur donnerait son âme pour courir le 100 mètres à cette vitesse. Bon, ce serait un bien mauvais marché que de vendre son âme pour 3 secondes, jeune homme. 3 secondes, on peut les gagner facilement, avec de bonnes chaussures. S'il ne fallait que de bonnes chaussures pour battre des records du monde? Ça dépend des chaussures, jeune homme. Quelle est votre pointure? Si mes chaussures sont à votre taille, je vous les prête. Mais seulement l'espace d'une course. Vous voudriez que je cours avec ça? Il ne faut jamais se fier aux apparences, mon ami. Essayez-les.
Ok. Je vais courir avec vos chaussures. À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. À vos marques. Prêt. Jamais se fier aux apparences, mon ami. Vous aviez raison, monsieur, vos chaussures sont extraordinaires. Mais elles me chauffent. Merci. Bravo, c'est extraordinaire. Tu viens de battre le record du monde. Quoi? Tu viens de courir les 100 mètres en 7 secondes de dixième. C'est incroyable. C'est le meilleur temps de tous les temps. On va s'occuper sérieusement de ton entraînement, mon vieux. À ta prochaine course, on va homologuer ton record du monde. Mais où est-il passé? Où est le vieil homme qui était là, sur le banc avec les chaussures? Qui ça, le vieil homme? Oui, le vieil homme. Tu le connais, qui c'est? Ouais. Ce n'est qu'un vieux fou qui rôde sur les stades. Ah, il se prend pour le temps.